On est vendredi, il est 9h30, c'est pas la grande forme. Je vous l'ai dit depuis le début de la semaine, je sens qu'il y a quelque chose qui arrive. Je sens que c'est le printemps qui est là surtout. J'ai ma sinusite, ma rhinite qui est bien prise. Là, j'ai un mal de crâne pas possible. Il va falloir que je fasse quelque chose pour ça parce que ça m'empoisonne la vie aussi. Je sais que j'ai ma belle-sœur qui fait des allergies là au printemps, etc. Et elle va avoir un acupuncteur. Il faut que je lui demande ses coordonnées. Je vais tester cette chose-là, l'acupuncture pour tout ce qui est allergie ORL parce que... j'ai été malade toute l'après-midi à partir de 15h jusqu'à 22h. J'ai été malade, mais malade. Les boyaux... je pense que le chocolat ne passe pas. Merci Pâques. En parlant de chocolat... sur la balance, je vous l'avais dit que je sentais qu'il y avait du plus. Il y a du plus, il y a plus 600 grammes. Donc ça c'était sûr avec la semaine de Pâques. J'ai boulotté pas mal de chocolat. Voilà, là je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Aujourd'hui, on repart pour une bonne semaine. Le chocolat, on va laisser de côté. Du fait qu'en plus, j'ai été bien malade hier après-midi. Voilà, je me suis fait une orgie de chocolat hier après-midi. Et voilà, je l'ai payé. Donc ça m'apprendra. Donc le petit programme du jour, je me suis fait un massage avec des huiles essentielles pour les maux de tête. Ça a l'air de bien, ça m'a soulagé un petit peu et je sens que c'est gonflé ici au niveau des sinus. Donc si vous avez déjà essayé l'acupuncture pour tout ce qui est sinusite, tout ce qui est problème ORL, c'est-à-dire les allergies, la rhinite, etc. Dites-moi ça en commentaire, je serais ravie de vous lire, voir s'il y a du positif. Donc pour les petits... Donc je vous disais pour le petit programme du jour aujourd'hui, ça va être la journée ménage. Donc je vous emmène avec moi pour ma journée ménage. Lessive, on va nettoyer la cuisine. Parce que autant vous dire que je n'ai rien foutu hier après-midi. Donc c'est Dallas dans la cuisine. Il faut que je fasse aussi ma liste de courses pour le... Je pense que lundi je vais faire un drive. Bon, j'ai pas envie de spécialement... donc je pense que je vais faire un drive et à Intermarché. Et du coup, ouais, je pense que je vais faire un drive. Donc j'ai ma petite liste de courses à faire et mes menus. Donc ça, on fera ça tout à l'heure tranquillement. Pour les petits bijoux, je voulais vous montrer. Je porte les boucles d'oreilles de la box bijoux du mois de avril, qui sont trop jolies. Je les ai mis en deuxième trou et j'ai mis en fait la petite bague que je vous ai présentée. Je l'ai mis en accumulation avec une autre et c'est très sympa. Celle-ci aussi vient de ma box bijoux. Le bracelet qui est magnifique et le collier que j'ai mis, il est magnifique avec un petit pendentif avec un cœur ici. Donc moi j'ai reçu ça hier, je disais je peux toujours pas le mettre. Et j'ai reçu mes petites chaînettes d'extension qui sont en acier inoxydable de chez, vous entendez mon lave-vaisselle, de chez AliExpress. Donc je les ai reçues hier, donc top top top. Et en parlant d'AliExpress, et puis de l'autre côté j'ai mis ma box bijoux aussi. Donc voilà pour les petites choses que je voulais vous montrer pour les bijoux. Mais franchement cette box, hein, je vous la conseille. Vous avez moins 5€ quelle que soit la formule que vous choisissez avec mon code Valbeauty. Donc aussi bien sur le premier mois, c'est la première fois qu'ils font ça, en général c'est moins 20% que sur la première box. Et là c'est la première fois qu'ils font ça. Donc c'est Valbeauty, c'est moins 5€ sur la première box ou sur les 3, 6, 12 mois. Voilà. Donc c'est pas mal. Et en parlant d'AliExpress, j'ai reçu également mes paniers courses. Alors mes paniers courses, c'est quoi? Vous avez vu, j'ai mis les petits sacs comme ça. Je vais aller chercher les autres dans la voiture qui sont pliés, mais qui sont dans un autre sac. Comme ça, je vais mettre ça dans mon coffre dans la voiture et je vais avoir toujours des sacs à dispo. Je vous ai montré comment on pliait les sacs dans le vlog mardi, je crois. Et j'ai reçu, ils sont là, je vais les placer, j'ai mis ça là pour aller les mettre dans la voiture. J'ai reçu mon sac comme ça. En fait, c'est un sac, je vais vous le défaire. C'est des sacs qui se glissent sur le caddie. Vous mettez ça sur le caddie, ça se glisse sur le caddie. Il y a plusieurs tailles à l'intérieur, il y a du plus petit au plus grand, vous voyez. Et vous mettez en fait, par exemple, dans le orange, je mets tout ce qui est très lourd. Dans le vert, tout ce qui est légumes. Dans l'autre, tout ce qui est frais. L'autre, tout ce qui est épicerie. Si bien que quand vous arrivez à la maison, vous faites vos courses, vous mettez ça dedans. C'est déjà organisé. Quand vous mettez sur le panier, le caddie de la caisse, eh bien, vos courses sont déjà organisées. Comme ça, quand la caissière, elle passe, eh bien, vous avez juste à remettre dans les paniers
ici, vous prenez les paniers directement du caddie, directement dans la voiture, et à la maison pareil. C'est un gain de temps. J'ai payé ça je crois 12 ou 14 euros sur AliExpress, il était plus cher sur Amazon. Donc je vous mettrai le lien de ces petits paniers là. Donc je vais aller mettre ça dans la voiture tout à l'heure. Je suis en contre-jour, on ne me voit plus. Je vais mettre ça dans la voiture tout à l'heure. Je vais mettre également un petit gilet. Et là, ce matin, le programme, c'est de mettre une lessive en route. Chou, je viens de m'étouffer. Donc le programme, c'est de mettre une lessive en route et de plier celle-ci. Alors faites pas attention, j'ai des sacs Action partout ici parce que j'ai encore toutes les lampes ici. Et ici, j'ai toutes les lampes pour mettre dehors. Donc je disais, ouais, je vais plier cette lessive là. En même temps, je vais mettre des petites vidéos YouTube. Une fois que la lessive, là, avant que je plie cette lessive, je vais aller en mettre une en route. Et avant de mettre la lessive en route, je vais poser ça sur ma machine. J'ai reçu ça que j'ai commandé sur AliExpress. Donc c'est deux stickers. Il y en a un écrit wash et l'autre écrit dry. Donc sur mon, je vais mettre ça sur mon sèche-linge et sur ma machine à laver. Donc en fait vous avez une bande ici transparente et le sticker. Donc je vais lire comment ça fonctionne. Je vais les placer sur ma machine à laver avant de mettre la lessive en route. Et puis comme ça on va voir ce que ça donne ensemble. Je vais déjà découper. Non, je vais les découper après je pense. Ouais. Parce que eux ils marquent quoi, que ça soit autocollant. Donc il y en avait plusieurs sur AliExpress, je vous mettrai les liens aussi. Franchement AliExpress on y trouve des pépites. Donc je vais coller ça sur ma machine. Je sais qu'Enzo m'a descendu son panier à linge, voilà il est archi plein. Enzo il est comme ça, à chaque fois il attend. Et il me descend du panier à linge de 3 semaines. Donc du coup après je me retrouve avec des lessives à faire. Regardez pas ma tête parce que alors je suis coiffée comme un as de pique, le shampoing c'est demain matin. Je voulais le faire ce matin mais comme je suis pas trop bien fichue, j'ai dit je vais attendre une journée de plus. Donc j'ai toujours mon petit coin lessive là que j'avais fait by Action. Donc j'ai encore ce petit bout là à finir. Voilà, Enzo qui ne sait pas mettre un masque dans la lessive. Merci. Donc que j'avais fait chez Action, en fait là tout vient de chez Action, les vases, la tablette et les pots que j'ai rebombés en blanc. Donc je vais mettre sur mon sèche-linge ici dry et sur la porte ici, j'espère que je vais avoir assez de place, wash soit là ou je sais pas trop comment je vais le placer, je sais pas si je vais arriver à le placer, sinon je le placerai, si j'arrive pas à le placer je le placerai juste ici en bas. Donc voilà, je vais placer ça et puis ben, on se retrouve quand c'est fait. Pour ça je vais déjà mettre une lessive en route avant, je pense, une lessive de foncé. Moi je repasse pas, je défroisse quand il y a des choses à défroisser avec mon défroisseur vertical. Donc tout le linge est plié, j'ai mon lave-vaisselle qui vient de sonner donc qui est terminé, je vais le laisser sécher et après je le viderai. On va s'attaquer aux petites choses comme ça pour la salle de bain. Je vais aller d'abord dégraisser en fait la machine à laver et le sèche-linge et puis après je vous retrouve une fois que c'est posé ces petites choses là. Donc j'ai mon lave-vaisselle qui sonne. Wash and dry, on va voir si j'arrive à les poser. Allez, c'est parti. Je vous retrouve dans la salle de bain pour vous faire voir ça mis en place. Donc voilà ce que ça donne. Je suis trop contente, ça rend trop bien pour un tout petit prix. Je suis ravie. Donc ça rentrait pas en fait dans mon hublot parce que mon hublot il est comme ça, donc je peux pas le mettre. Je l'ai mis en bas et je trouve ça très sympa. Voilà, je vous mettrai le lien de ces stickers là, je crois qu'il y en a d'autres aussi, donc c'est pas mal du tout. Bon, entre temps, j'ai le facteur qui a sonné, j'ai reçu deux colis, donc on va les ouvrir ensemble, on va voir ce que c'est. Donc ici, je vais les chercher. Donc le premier colis, c'est un colis myvitamines.fr, je vous avais un code promo de moins 30% sur ce site, j'aime beaucoup leurs produits, notamment tout ce qui est complément alimentaire, moi je prends tous les matins, je prends la vitamine D,
Je prends tous les matins un, d'ailleurs qui est bientôt terminé, c'est des petites gummies à base de vinaigre de cidre, de pomme. Et je prends la vitamine B3, là je fais une petite cure de 3 mois, donc franchement top. J'ai également aussi les petites Energy Balls qui sont tellement bonnes, mais tellement bonnes. D'ailleurs j'en ai repris parce qu'elles sont tellement bonnes, donc ça pour le goûter c'est top. D'ailleurs j'en ai repris un paquet entier, mais pas les mêmes. J'ai pris les Peanut Butter. Ceux que j'ai pris, c'est ceux qui étaient à l'amande. J'avais goûté ceux-là et ils sont vraiment bons. Donc c'est... Vous en avez 6 à l'intérieur comme ceci. Donc je vous le rappelle, mon code promo vous donne moins 30% sur tout le site. Donc profitez-en. Donc c'est Val30. Hein, je vous le remets ici. Vous l'avez toujours en permanence dans la barre d'infos. Donc c'est riche en fibres. C'est du sucre naturel à l'intérieur. Vous avez 9,8 g de protéines. Donc voilà, si vous avez avant le sport ou après le sport, ou alors c'est un snack qui est quand même sain. Donc ça fait 190 calories les 45 grammes. Donc moi ce que je fais, c'est qu'en général une petite comme ça me fait deux snacks dans la journée, soit le matin et un le soir, ou alors sur 2 jours. Comme ça, ça me fait 9 et 9, 18, ça me fait 95 calories pour les 3. Et franchement, c'est quand même, ça tient bien au corps. Donc ça, je suis contente parce qu'il y en a 12 à l'intérieur paquet. Donc autant vous dire que j'en ai pour un petit bout de temps. Ensuite, j'ai pris, je ne sais pas si j'ai toute ma commande là. Du coup, je suis en train de réfléchir. J'ai l'impression qu'il n'y a pas toute ma commande. Je ne sais pas. On va voir. J'ai pris du... Roller Hits, je crois que c'est des flocons d'avoine, il me semble. Je vais ouvrir ça avec vous. Il y a 1 kg, c'est végétarien vegan. C'est riche en fibres. Donc je pense que c'est des flocons d'avoine. Je voulais tester ceux-là parce que moi j'utilise des flocons d'avoine de chez Coro. C'est ça, c'est des flocons d'avoine. Et c'est des gros flocons d'avoine. Donc ça pour les recettes ou pour faire de la farine d'avoine, c'est parfait. Et on en a 1 kg, donc ça c'est top. Ensuite, j'ai pris d'autres gummies. Celle-ci, c'est à la fraise, c'est des multivitamines. D'ailleurs, je vais en prendre une maintenant. Parce que du coup, je vais compléter avec... je ne vais pas les prendre au même moment de la journée. Je vais la prendre sûrement le midi, celle-ci, ou un autre moment dans la journée. Donc celle-ci, c'est à la fraise. J'ai pris celle de ce matin. Donc là, on en a pour un mois. De celle-là, et celui-là vous avez le gros pot comme ça qui est pour 60 donc jours, donc 2 mois. Ouais, ça fait vraiment plus gomme celle-là. J'ai une préférence pour celle-là quand même. Avec 10 vitamines essentielles et minéraux. Donc on a de la vitamine C, vitamine E, l'acide pantothique, la vitamine B6, A, l'acide folique, la biotine, la iodine, la D3, la B12 et la inisotel. Pas mal du tout. Fraise, mais c'est pas une fraise fraise. Hein. Strawberry, si, c'est fraise, strawberry. Hein. Ensuite, j'ai pris un duo pour la peau. Alors, plus moi pour la peau, mais ça peut être pour les ongles et les... Comme vous le savez, je suis en perte de poids et pour pas que ma peau se relâche trop, et ben je vais faire une petite cure de collagène. Donc j'ai pris ce petit duo. En fait, il y en a là, il y en a 30 et là, il y en a 60. Je crois que ça, c'est 2 capsules par jour, il me semble. Voilà, 2 capsules. Donc c'est du collagène. Il y a 500 mg de collagène, de l'huile de coco. Et là, il y en a pour un mois. Alors... c'est des gélules comme ça, donc je le prendrai le matin, je pense. Consommer 2 gélules par jour. Et donc c'est du collagène, c'est bon pour la peau, pour retendre la peau, pour l'élasticité de la peau. Et j'ai pris en même temps eh bien, l'acide hyaluronique, c'est pareil, c'est pour la peau. À l'intérieur, on a du magnésium, on a de l'acide hyaluronique. Et eux, ils marquent d'en prendre une par jour, une tablette par jour. Donc eh ben, je vais marquer la date dessus et je vais les commencer dès demain. Et j'ai pris pour finir de la spiruline parce que là je suis en train de... je prends la spiruline tous les jours. Et là il marque 2 capsules, ça fait 1000 mg. Et celle que je prends moi, là il y a 180 capsules, ça fait 3 mois. Et celle que je prends moi actuellement... Alors celle que je prends actuellement moi c'est celle-ci, c'est... C'est celle-ci de chez Nutri&Co que je voulais tester.
Pour l'instant, ça fait à peu près une semaine et demie que j'ai repris la spiruline. J'ai pris de la spiruline et il faut me prendre 2 capsules par jour. Je préfère que là, il faut que j'en prenne 6. Donc là, j'en suis à 5, mais j'arrive pas à prendre autant. Donc là, 2, ça me convient bien. Et la spiruline, c'est fait pour lutter contre la fatigue. C'est plein de minéraux. C'est aussi un petit coupe-faim naturel. Donc je vais tester ça. Et puis, je vais passer à celle-ci. Parce que celle-ci prend 5 comprimés. J'ai du mal. Mais je vais passer à celle-ci dès demain matin et comme ça on verra ce que ça donne. En fait, la spiruline c'est une algue hein, tout simplement. Donc voilà, je suis ravie des produits de ma vitamine. Donc si vous voulez les tester, n'hésitez pas, vous avez mon code promo. Et après, puisqu'on est dans le ménage, je viens de recevoir un truc. Vous savez que je suis abonnée à... Je suis inscrite à une plateforme où on teste des trucs. Donc chez je sais plus quelle plateforme. C'est la plateforme, je sais plus le nom. Je vous mettrai le nom de la plateforme en bas. Et là du coup on va tester les pastilles à vaisselle de la marque Fairy. Donc à l'intérieur on a des petits bons d'achat. On a des stickers. Des petits stickers. On a le meilleur capsule contre les taches coriaces. Donc c'est tout en un, Fairy Platinum, défie les taches les plus coriaces, anti-terne, etc. Composition en du gel de la poudre, du film hydrosoluble, nettoyage supérieur. Écoutez, on va tester ça. Et en fait, j'ai des petits échantillons comme ceci. Donc à l'intérieur, on a 3 doses pour le lave-vaisselle. Donc voilà, et à l'intérieur dans ce paquet là on a 17 doses. Donc ça je pense que c'est le ça c'est les petits échantillons. Et ça je pense que c'est le... c'est dommage parce que j'ai l'ancienne lessive, j'aurais pu la tester là. Donc à voir ce que ça donne. Je vais en ouvrir une pour voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Évidemment il faut les ciseaux. En tout cas ça sent très bon. Qui est trop mignon. Donc en fait à l'intérieur vous avez 3 en 1, vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut. Donc je sais pas si on peut le placer dans le bac ou s'il faut le placer faut le placer directement la capsule dans le dosage, une capsule un lavage. Et bien écoutez, on va tester ça puis je vous en reparlerai, savoir si c'est bien ou pas, sûrement sur Instagram. Donc voilà, ça m'a coupé un petit peu de ma routine. Donc là on va passer dans la cuisine. On va nettoyer la cuisine, je vous fais un petit avant, après, parce que là c'est Dallas. Voilà l'étendue des dégâts de la cuisine. Oui, vous me dites ouais, t'es vachement organisée, t'es pas bordélique. Si, je confirme. Donc voilà, hier soir, j'avais pas la foi, j'avais pas la forme, j'ai pas mangé hier soir. Et j'étais couchée dans le canapé hier soir, donc ça va un peu mieux au niveau du bidou aujourd'hui. Mais la tête, pas trop, mais... Donc, je range tout ça et on se retrouve quand tout ça est clean. Allez, la magie du montage. Voilà, c'est tout clean. Il est 11h30, il me reste plus que ma lessive à étendre. Donc j'ai fait tous mes placards, j'ai fait la vaisselle, j'ai nettoyé mes plans de travail. Voilà, c'est propre, on va annoncer le week-end sereinement. Donc c'est top, j'ai ma lessive qui vient juste de terminer. Étendre celle-ci, je vais en préparer une autre de Claire pour demain. Et j'espère que
J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ce petit bout de Clean With Me, voilà, c'est... Il y a au moins 2 matinées par semaine comme ça où bah, voilà, on nettoie. En fait, le fait de faire au fur et à mesure, ça permet de ne pas avoir tout à faire d'un coup. Comme je vous l'ai dit, moi, il y a une journée où je fais ma cuisine. Il y a une journée où je fais ma salle de bain. J'ai fait la salle de bain avant-hier. Donc, quand on fait des choses tous les jours, des choses différentes tous les jours, ça permet de ne pas avoir trop à faire d'un coup. Comme je vous l'ai dit, moi, le lundi, en général, c'est les courses et les sols, aspirateurs et sols, les poussières. Et le mardi, en général, je fais la salle de bain. Le vendredi, en général, je fais la cuisine. Voilà, ça permet en fait de faire les tâches. Demain, ça sera le changement des draps. Voilà, comme ça, en faisant des tâches comme ça tous les jours. Alors, je suis quelqu'un d'organisé. Vous m'avez dit, oui, t'es quelqu'un de bordélique, t'es vachement organisé. Oui, je suis organisée, mais je suis une organisée bordélique. Je m'explique. Vous voyez, il y a des fois, chez moi, il y a des tas comme ça. Il y a des tas qui restent plusieurs jours. Mon mari a horreur de ça. Il râle. Il dit oui, c'est encore là. Ça, dans 10 ans, c'est encore là. Donc, je suis. Ça ne me gêne pas en fait. C'est. Voilà, une maison, ça vit. C'est pas une maison témoin. Là, vous voyez, j'ai fait ma petite photo pour Instagram, pour le MyProtein, pour vous diffuser mon code promo. Parce que franchement, c'est une belle découverte ce site-là. Et j'en suis contente, moi. Donc. Voilà, vraiment une belle découverte et j'ai vu qu'il y allait avoir des nouveautés en matière de produits, donc voilà, donc j'espère que ce vlog vous a plu, ce petit Clean With Me vous a plu. On se retrouve donc demain pour un nouveau vlog reel. À demain.